a tous petit profil de la rencontre. Mon secteur ici contre ceci. Ceci a gagné 2-1 grâce à des buts de Hakim Ziyech et de Marcos Alonso contre un but de Sterling pour City. Durant ce match, j'ai trouvé l'équipe de Chelsea à de City assez ennuyant à voir jouer. Il ne s'est rien passé pendant la première mi-temps. On s'est emmerdé. Moi, perso, je n'aime pas Rodri et vous. Quant à Raheem Sterling, on voit qu'il est en manque de rythme. On voit Mendy, il ne monte plus, il fait plus de centre. Et du côté de Chelsea, j'ai trouvé N'Golo Kanté bon. Werner loupe toujours des occasions comme d'habitude, mais a mis un but. Quant à Kanté, il a été bon. Je me demande pourquoi Giroud ne joue pas pour mettre les centres qui arrivent au lieu de Werner. Qu'en pensez-vous? J'ai trouvé aussi que Pulisic était nul à chier durant ce match. Qu'en pensez-vous? Il y a eu aussi le but hors jeu de Werner. Et j'ai trouvé aussi l'entrée de Hassan Oudeh bonne. Il a mis un but, mais malheureusement hors jeu. Chelsea était privé de Thiago Silva et de Mason Mount. Pensez-vous, mettez des commentaires. Au début du match, il y a eu une faute de Marcos Alonso sur Sterling. Une frappe de Ferran Torres. Qui tire au-dessus. Mahrez. Ah. Tire à côté. Une frappe de. Une faute de Sterling sur Werner, Sterling a eu un jaune suite à une faute de Werner, un coup franc de James suite à une faute sur James. Suite à un décalage de James qui centre capté par Mendy, une frappe de Rodri servie par Benjamin Mendy contrait une tête de Christensen sur corner. Gilmour fait faute sur un corner de Gilmour. Une faute qui fait faute. Werner centre pour Ziyech en profondeur. Ziyech lance en profondeur Werner qui centre, mais une faute de Cancelo sur Marcos Alonso, une faute de Laporte sur Werner.
Yolcu, na, côté, allons sur, mais arrêté sur un jeu de James. Arrosé de James pour voir Werner marque un but hors-jeu qui a été centré par James. Werner tire à côté suite à un centre de Sterling qui frappe à côté. Sterling frappe, arrêt de Mendy qui décentre. Mendy dégage pour Christensen qui passe à Jess suite à une passe en profondeur de Rudiger au-dessus. Diaz lance Gabriel Jesus. Christensen se trouve but de Sterling suite au centre de Jesus. Mauvais contrôle d'Aguero avant le but. Ensuite, il y a eu une faute de Guillemot sur Jesus, un péno d'Aguero sur un tir mais il est arrêté par Mendy car Aguero a fait une panenka. Tir de Werner à côté. Ferran Torres tire arrêté de Mendy. Yes. Tire arrêt de Mendy et de Ederson qui il était servi par Cancelo mais il était contraint. Ensuite il y a eu un sang de Marcos Alonso puis un tir de Jeff contré. Il y a eu un tir de Pulisic à côté, un but de Ziyech suite à une perte de balle de Rodri. Alpi a récupéré la balle qui passe à Ziyech, qui passe à Pulisic, qui repasse à Ziyech. Et Marcos Alonso sauve une frappe de Jésus sur Aguero. Pour Aguero, faute de Cancelo sur Werner, non signifié, il y a eu aussi une faute de la porte sur Werner. Jeff centre pour Werner qui loupe au début. Jorginho était à l'action. Faute de hacker sur Jeff. Jeff centre pour Werner dévié par la porte. Tire de Jésus à côté, but de Werner. Sur une passe de Jorginho hors-jeu, Pulisic pour James, un centre de arrêté par Ederson, Odoi était hors-jeu, mais il a mis un but, tacle de Zouma sur Sterling. Gundogan centre pour Foden,
qui nous pose son centre cancéreux dévie, la dévie par Rudiger, Sterling, Romero, Cancelo dévie une balle sur Rudiger, Sterling remet sur Gundogan qui tire sur Jorginho. Gundogan sert en profondeur. Sterling, Zuma. Tire à côté. Ensuite, Marcos Alonso veut lober Édouard Mendy. Il y a eu un carton jaune sur De Jesus, vous rendez ça. Personne d'œil au début. Un centre d'aide. Un centre pour Ederson qui capte le ballon. Personne d'œil lance Werner qui centre pour Alonso. But. À l'issue de la rencontre, Tourelle a déclaré: nous avons conscience que nous sommes capables de les battre. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.